Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est les textes bizarres. Et aujourd'hui je suis avec une revenante après 3 mois qu'on ne s'est pas vu, qui est Léa. Hello. Comment vas-tu depuis ce temps? Bah ça va super et toi? Bah ça va bien, ravi de te revoir. Pareil. Alors pour les textes bizarres, pour ceux qui arrivent sur cette chaîne et qui ne connaissent pas ce concept, en gros vous m'avez envoyé des petits textes via votre clavier de téléphone avec les mots préécrits de votre clavier. Vous m'avez fait un texte, vous me l'avez envoyé, et là on va les résoudre pour savoir ce que vous nous avez dit. Nous sommes les enquêtrices de messages bizarres. Et ça sera aussi la dernière vidéo de cette série parce que ça vous plaisait pas trop et puis sur ce, on va se retrouver pour le premier texte. Bonjour Ban Kakali. Paka Firm and Construction Industry to the UK is not just the way of doing things that I was going to be my first ever been in a good time for me and the way to get the way the UK and construction industry to be my first ever since. Ok, alors pour ma part, ce que j'ai juste compris, c'est bonjour. Le reste, c'est de son côté qu'elle va traduire. Alors déjà, c'est de l'anglais, mais genre au début, il y a un mélange de... Je sais pas, ça est un peu bizarre. Je sais pas si c'est de l'anglais aussi ou si c'est une langue inventée. Parce que ça me paraît bizarre le mot... Pakav, Kakalik. Ouais, je pense que ça doit être un peu inventé. Ou alors d'une langue qu'on ne connaît pas du tout. Si vous connaissez, bah dites-le nous dans les commentaires. Apparemment, il veut bannir l'industrie de la construction qui est dans les UK. C'est quoi UK déjà? Qu'est-ce que j'en sais? C'est un pays, je crois, je sais pas, je suis même pas sûre. C'est pas juste le chemin. Genre la personne, elle a l'air vénère contre l'industrie de la construction en tout cas. Ouais, genre la personne, elle voulait aller là-bas dans la. Dans l'industrie de construction qui est à UK. Et genre apparemment, elle engueule tout le monde parce que, je sais pas, ça va pas être bien ou il y a eu un problème. C'est bizarre. Je comprends pas tout. Hein. Ah ouais, je vois ça. Ah, je vous ça, avoue ouais. Que... Après, c'était bizarre. Tu peux pas essayer de tout comprendre parce que s'il manque des mots, etc. Tu peux pas... Bah, elle a essayé au mieux de vous dire ce que c'était marqué et puis voilà, hein, si vous avez compris tant mieux et si vous n'avez pas compris tant pis. Hein, je pense que je vais mieux m'en sortir sur les textes en français quand même. Ouais, c'était le seul texte en anglais, elle a sélectionné sur les 20 textes que j'avais dans le téléphone, elle en a pris 10. On a essayé de prendre les plus petits parce que les gros c'est hyper long à prendre et à lire et pour que ce soit plus fin, que ce soit plus court. Mais bon, ouais. Ça à chaque fois je vous le dis mais vous respectez pas. Et sur ce, on va se retrouver sur la deuxième. Merci Passepartout. Je vous remercie pour votre réponse, mais je n'ai toujours rien trouvé sur internet concernant les travaux de ma voiture et je n'ai pas de nouvelles de ma banque actuelle pour les mois à me proposer pour les jours suivants. Ça va, là c'est pratiquement bien tourné et tout. Je crois qu'il n'y a pas grand chose à dire parce que tout est dit, qu'il remercie pour la réponse. C'est quelqu'un de poli. Que tu n'as pas. T'as toujours rien trouvé sur internet concernant les travaux de ta voiture. Du coup tu dois parler à un garagiste. Et ouais, et même aussi que t'as pas de nouvelles de ta banque. Ah ouais, parce que ça coûte cher pour réparer la voiture. Hein. C'est ça, ouais. T'as dû demander un prêt ou un truc du genre, un crédit. Et t'attends toujours la réponse pour pouvoir faire les travaux de ta voiture. On sait tous que les banques elles répondent jamais quand t'as besoin de sous. Ouais, du coup t'espères quand même avoir une réponse pour les mois ou les jours suivants. Mais bon, à mon avis, ça va prendre du temps. Hein. Compliqué, mais force à toi et courage. Ouais. Et patience. Et bonne chance avec ta voiture. Sur ce, nous passons au troisième. Bien encore en ami et de Madame Hug a le pseudo sur les couilles de... sur le bip de une photo et les textes de une chose, ce message d'origine répondre à vous. Mm-hmm. Alors, t'es encore... Enfin, bien encore ami, d'accord. En fait, t'es encore ami avec quelqu'un. Avec Madame Hug. Et Madame Hug. Une dame qui fait des câlins, apparemment. Ça m'agnon. Le pseudo sur une couille d'une photo. Apparemment, tu as vu Madame Hug sur une qui photo. A fait une photo où apparemment, il y avait des coucougnettes. Hein. Bah écoute, on appelle ça une thaïlandaise. Voilà, c'est normal. Et ça n'empêche pas Madame Hug d'être très gentille. Hein. Et du coup, t'as vu son petit texte sous sa photo et là, t'es en train de lui répondre apparemment. C'est un message pour lui répondre. Ah oui, voilà. Ok. Ouais, c'est ce que j'ai compris, moi. Vous allez vous répondre à chaque fois dans le... Sous la photo, vous allez à chaque fois vous répondre, tu sais, mutuellement. À la face de vous le dire, face à face, vous allez le dire sous la photo. Et Madame Hug, s'il te plaît, on ne montre pas les coucougnettes. Et bah, nous allons passer au
Quatrième. Oh oui, mais bon, je vais aller m'occuper d'une chose à la dernière minute. Demande pas à grand plaisir, mais moi faire coucou à mon zizi. Bah dis donc, entre les cacahuètes et la saucisse, ça y va, hein. Alors, oh oui, d'accord, mais bon, je vais aller m'occuper d'une chose à la dernière minute. D'accord, t'as quelque chose à faire, mais tu le fais à la dernière minute. Parce que tu viens juste d'y penser, alors tu le fais maintenant. Apparemment, ça n'a pas l'air de te faire grand plaisir. Ouais, bah ouais, ça doit être une tâche que tu voulais pas faire, que t'as repoussé au maximum, mais que là, t'avais pas le choix de le faire. Et en même temps, bah, t'es allé aux toilettes et t'as fait petit coucou à ta petite saucisse. Comme t'avais tellement la flemme de faire le truc, t'en as profité pour d'abord aller faire pipi, pour retarder encore plus le truc. Alors, nous allons passer au numéro 5. Je vais aller dans la bande de Gaza pour me faire détruire par le Hamas. Ok, très intéressant. En gros, bah, y a une bande que tu veux intégrer, qui est les Gaza. Mais que tu veux te faire détruire par le Hamas. On ne sait pas ce que c'est un Hamas. Hamas ou Hamas. Je sais même pas c'est quoi Gaza non plus, mais ça me dit quelque chose, Gaza. Mais ta destruction, hein. On te dit adieu du coup, parce que mais tu vas mourir, puisque tu vas te faire détruire. Par le Hamas, ça se trouve c'est un gros dieu, ou je sais pas quoi, un dieu de grec, ou je sais pas d'où, d'Afrique, ou j'en sais rien moi. Ouais. On sait pas qui est le Hamas. Si vous, vous connaissez, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, c'est intéressant de savoir qui est ce Hamas. Voilà. Et Gaza aussi, ça m'intéresse. Nous allons passer au numéro 6. Ça fait 2-3 semaines que je te traque. Tu lui mets des clac-clac, ses fesses font un aller-retour comme un kickback. J'ai l'impression que j'ai dit kick-cat. T'essayes de le crac-crac avec les clac-clac, t'as voulu faire du rap-rap, et ça se passe comment? Alors ça fait 2-3 semaines que ouais que t'as le trac et que tu lui mets des claques ses fesses. Claques des fesses. Attends, tu traques quelqu'un pour lui mettre des claques sur des fesses? Mais tu es chelou. What? Mais quel genre de personne fait ça? On dirait les vieux pervers dans la rue, tu sais. Ben, ça doit être ça. Les en mode de... un aller-retour comme un kickback. C'est quoi un kickback? Mais il a dû se tromper, il a dû voulait mettre autre chose, votre kick. Le kick. Comment ça s'appelle là? Le kick dans ta bouche, ton chocopic là, ou je sais pas quoi là. Tu sais, les kicks là, comment ça s'appelle? Oui, mais il y a une phrase où tu fais kick machin, je sais pas quoi, dans ta bouche, après je sais pas quoi, chocopic. Je sais que vous l'avez la rêve de ce que je suis en train de dire, vous le mettez dans les commentaires. On va passer au petit 7 avant que Jessica fasse une crise. 7ème. Je monte en haut du grenier et soudain, je vois un esprit qui fonce vers moi à toute allure. Et glou glou, fait-il carré en haut du pâté. Alors, bah déjà, tu montes au grenier, d'accord. Et d'un coup, tu vois un esprit qui te fonce vers toi, alors tu as peur. À toute allure. À toute allure, ouais. Et en fait, il est passé devant toi pour aller faire glou glou sur un carré. Ou dans un carré ou... Ah, il a dû se mettre à fondre, enfin à se transformer en eau, l'esprit, genre. Il a foncé, puis il s'est transformé en eau, et ça a fait un carré sur le sol, non? En haut du pâté. Genre un tas d'eau comme une montagne de pâté, je sais. Ou alors il est parti en vitesse aller manger en haut du pâté, quoi, se mettre au-dessus du pâté, et sur un carré, quoi, une petite plateforme en carré, peut-être. Very, very bizarre. Nous allons passer au 8, qui est très très petit, et qui va être super rapide. Je pense être la voiture qui fut mort. Ah ouais, bien sûr. Quelle voiture? Celle de Lady Di? C'était toi? La fameuse voiture qui a fait l'accident? Mais alors, tu es morte? Vraiment? Rip à la voiture et on espère que tu iras bien toi. Parce que, après, si t'étais dans la voiture, t'aurais pas pu écrire ce texte. Ça fait que t'es encore en vie, mais que ta voiture est morte et t'en as plus qu'à. Eh, ça aurait pas la coïncidence de la voiture est morte et le deuxième texte là et la voiture du garage et ah, tout? Ah, peut-être. Peut-être que. C'était donc toi. Tu voulais la réparer ou en racheter une autre ou. On t'a reconnu numéro 1. Et voilà. On te voit derrière ton écran. Ok, bah, on va passer au 9. C'est pas comme si je me disais qu'il était en colère, mais bon. C'est un vrai connard car il a l'air très sympa de moi et de sa fille à qui il me fait un bail. Ok, d'accord. Là, ça fait un bail, ok. La personne déjà elle est bipolaire parce qu'elle dit genre il était. Elle pense que le gars il est en colère, elle dit que c'est un connard et après elle dit qu'il est très sympa. La personne est bipolaire, vraiment. Ouais, ça c'est. Je suis en colère! Elle est très sympa, tu sais. Tu sais pas quoi penser, du coup tu te déchaînes sur lui pour après finalement revenir à se dire qu'il est gentil. C'est ça. Sa fille, elle était gentille, elle aussi, c'est peut-être ça. Ouais, ça faisait sûrement longtemps que tu l'avais peut-être pas vue, ou ça faisait longtemps qu'elle était sympa, ou que... Des filles. On parle des filles. Celles qui ont des couettes dans les cheveux. C'était logique, ça? Bah... Des couettes dans les cheveux. Bah oui.
Vu que tu fais des couettes à tes cheveux. On va passer au 10, sinon je vais... Nous allons passer au dernier texte. Je vais aller en Chine. Non, on n'y va pas, il y a le corona. Pour tout faire péter le casino, wesh, déglinguer la banque, pampant les fusils. Wesh, wesh, Maracay, comment ça va? Je suis allée en Chine, d'accord, pour tout faire péter le casino, d'accord. En fait, ton seul but, c'était d'aller... en Chine, tout détruire, surtout le casino, et faire ta racaille en mode j'ai déglingué la banque et pampant les fusils, grâce à tes fusils, quoi, t'as fait pampant la banque, à sauter, boum boum boum. Et en même temps, t'as déglingué aussi le casino, t'as fait les c'est deux, quoi. C'est pas très très bien. En gros, t'es là-bas pour faire l'explosion nucléaire ou quoi, t'éclater le casino, la banque, et après, ça va être quoi? Et bah voilà, sur ce, ça va être la fin de cette petite vidéo. Bah, je pense que ça a été quand même. Pas trop long, pas trop court non plus, une bonne petite vidéo pour cette fin de série. Voilà, j'espère quand même que ça vous aura plu. Et si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez surtout pas, que maintenant, normalement, j'ai un PC assez puissant pour faire tourner des vidéos dessus. Alors n'hésitez surtout pas. Après, des jeux mobiles aussi, n'hésitez pas, ou des vidéos dans tout genre. Léa, qu'as-tu pensé de cette dernière vidéo, ces derniers textes? Ben, c'était très bien. C'est toujours aussi original. Moi, j'adore parce que à chaque fois, on apprend plein de choses sur vos vies qui sont un peu étranges, hein, je dois avouer. Notamment les claques sur le cucu. C'est ça. Mais ouais, non, c'était génial. T'es pas trop triste la fin de cette série? Un peu, mais bon. Avec un peu de chance, ça va revenir, on sait jamais. C'est jamais si, exemple, cette vidéo fait plus de 10 ou 15 likes, peut-être qu'on... on la continuera. Alors n'hésitez pas à liker, à commenter aussi au passage, pour me dire ce que vous en avez pensé, tout ça. Exactement. Et de vous abonner si vous avez aimé cette vidéo. Soyez actifs. Et on va vous faire de gros bisous. On vous dit à la prochaine. À la prochaine.